Dans le moment même que nous avons parlé là, toutes vivre ensemble commencé à trembler. Messieurs ont commencé à réunir pour pratiquement connaître qui ça a pris à le faire pour connaître. Qui a pris à le camper les forces multinationales là ont débarqué dans le pays le 23 mai qui a venu là. Mais c'est dans la société, il y a une émission qui a dit nous, messieurs ont organisé plusieurs réunions, ils se rencontrent dans diverses zones pour qui ça qu'ils sont capables de faire. Vous êtes capable d'empêcher certaines personnalités de passer dans quelques zones, ou bien vous boule tout le bureau de l'État qui est tout près. Et bien, nouvelle la tombée, mesdames, mademoiselles et messieurs, bagay la extrêmement compliqué. Dans le moment même de parler à la société, bagay ça a un pile qui a sauté. Qui s'est passé qu'on y a là, dans le temps gangue, tant même pas le tout détail, ou pas comprendre qui s'est passé. Et l'autre bon, information est arrivée, je nous fais connaître, dans au cap, t'as gagné un pile difficulté. Il y a plusieurs monde qui avaient perdu la vie. Tenez-moi tout détail ça va venir. Qui ça va passer dans le cadre d'un dossier ancien sénateur Guy Philippe Lan. Il y a un pile monde qui a reproché monsieur par rapport à comportement. Mais dans la dernière interview que monsieur t'a accordé à Creature Scoop Lan, il y a un pile bagaille qui t'a dit on va saisir tendez à plusieurs secteurs qui pratiquement campé en face Guy Philippe Kounian. Qui raison fait monsieur camper en face grand monde là? Qui raison fait au camper en face à commandant un pays à attendre dans moment. Bonjour, bonsoir pour nous tous. Comment nous est-ce que la Kembe? Est-ce que tout bagarre en forme? J'ai que vous connaissez déjà, nous c'est maman Bembacha et pas contre là. Vous allez nous payer pour te, quel que soit contre information. Nous allons chercher là, nous pour te, bah où? Nous rappelons que dans la zone Solino, Delma 24, jusqu'à moment même, nous avons parlé avec vous là. Nous avons vécu dans la situation la Pérez. Nous pas vraiment connu qui ça pour faire par rapport à ce gang. Nous n'avons pas décidé de chômer. Nous partis. Mesdames, mademoiselles et messieurs, il est évident pour nous partager l'information ça avec vous-même. Tenez bien. Dans le moment où on a parlé là, messieurs, on a vivre ensemble, commencé à poser cette question, dit, et qui ça qui vous pral fait? L'un est considéré gangue pas décidé chômer. Gangue pas décidé à bail, va disons, l'un est décidé, il pas décidé chômer. Il a décidé pour continuer à frapper, mais tout pas d'accord pour mourir. Qui ça qui a passé? Force multinationale là pour le débarquer dans la coupe pays d'Haïti, dans la date qui a venu là, à partir, mesdames, mademoiselles et messieurs, de 23 mai cap venir mon premier troupe cap débarquer dans la coupe de presse et monsieur fait connait dans ça qui gawe à quatre gang cap terroriser population Jimmy Chérissier donc ça c'est premier côté y a font pirouette pour monsieur faut que vous voyez monsieur al joindre baron sinon mené monsieur non grand prison deuxième moun yo pral joindre pour attaquer c'est toro bay pour innocent vie de l'homme nan n'a rappelé que américain te fait poste dit depuis plusieurs mois et même un an de cela côté que vous mettez plusieurs millions de dollars sous tête tout ça pour quel que soit monde qui t'a finalement t'a conduit à arrestation monsieur. Eh bien monsieur, vous voyez nouvelle là-bas de Jimmy Chérissier. Vous fait connaître même si vous t'attendez, il y a plusieurs médias qui parlent avec vous. Même si vous t'attendez, il y a plusieurs monde dans international là qui parlent avec vous. Préparez-vous garçon, vous prenez le mettre bagaille pour vous. Il y a des gens qui interprètent le comportement barbecue comme un qui a cherché ses parties, qui a cherché pour voir comment il a lavé le visage. Je vais venir avec un analyste politique pour la voisine junior. Vous avez le temps de bagailles, vous avez le temps d'informations sur le barbecue. Vous avez le saisir, ouais. Faut que tu te dis, je vais venir avec tout dernier détail. Qui ce qui a passé dans ce qui a avec un dossier qui n'est pas viré dans le pays d'Haïti. Hier, ça fait cyclone qui a bataillé dans tout le pays. Ta mette à kesote par bon côté, moun yo kap vive nan deuxième ville paysan qui se au Cap. Yen yon kay pou pipiti qui déboulonne ka tombe et finalement à cause la pluie, sa n'da ka rele glissement de terrain, ta la cause plusieurs chrétiens vivants, ta rive victime. Moi yen yon ti bout de vidéo, bon ki tou gade l'ma vini. Barrière, en doux gaz national, barrière bouteille, alors kay la tombe. Il est tombé l'autre caille qui gagne monde là-dedans c'est réel c'est amré la ville au cap haïtien la pluie a tombé pas gagne l'état pas gagne la mer au cap pas gagne au cap caille tombé sous caille blanc barrière bouteille monde en barbecue monde pas comme ça vous faire monde arrose à boire mes amis secours pour ville cap haïtien.
Bourika chargé un pack upé. Ancien sénateur Guy Philippe Soubopal, monsieur t'a réagi dans micro radio télescope et pas des détails que monsieur t'a bail pour te faire connaître mais qui ça fait en pile dans les rail comme ça mais ça fait en pile dans les pas veler comme ça et monsieur fait connaître à travers émission ça c'est pas des bagages que le bras rien pour le faire donc moun cap continuer reler en moi pour président Guy Philippe ta vienne prête tête payant ne pas besoin perdu espoir à travers interview ça monsieur dit en pile causé bral qui t'entendel mais avant tout il est évident pour me faut entendre et qui ça cap passer dans foyer de gangyo et qui vision barbecue gagné qui ça barbecue envie fait moment très difficile très critique pour monsieur mais même il y a plusieurs questions à poser barbecue est-ce qu'on sent tout pareil est-ce qu'on parle pour ça pral vite je nous là. Est-ce qu'on sentit que ou entend nous acter tout déjà donc pour camper et gourmer dans jour pour le venir là est-ce qu'on choisit la mort est-ce qu'on choisit qui mort doit mourir on disait Guy que tu avais des rapports étroits et des rapports de père et de fils avec un maître Aristide et quand tu étais au niveau de la police nationale est-ce que gon parti dans l'histoire ça que monde doit connaître aujourd'hui parce que tu es sénateur de la République tu vois je profite de l'occasion hein pour dire toute la vérité, faut nous dire toute la vérité aujourd'hui. Dis-moi, Gary, tout le monde connaît que je n'ai aucune relation avec Jean-Bertrand Aristide avant que je rentre en Haïti. D'ailleurs, je quitte le pays en 1989. Président Aristide est président en 1990, décembre 1990 et puis il quitte le serment en 1991. Je retourne en Haïti en 1996. Le seul pas président encore, c'est René Prival qui est président. Comme moi, c'est un boursier force armée d'Haïti, je suis étudié en Équateur. Côté, moi fait académie moi, de 1992 à 1995, fait 95. Donc là moi rentré, c'est président Prival moi jeune et même on l'armée qui crasé. Mais comme boursier force armée d'Haïti, mal cherché rentrer dans la police nationale d'un grand pilote officier rebel. Et puisque me dit pomme zou que son académie en Équateur qui existe depuis 1937 et c'est premier haïtien que l'Oréal. Ouais. Premier étranger, pas haïtien non, premier étranger de tout temps. L'académie qui bon Équateur et Quito. Ok. C'est moi le premier étranger que lauréat dans l'académie ça. Donc, et tout étranger confondu, tout le monde, lauréat sur tout le monde net. C'est ça le donc je viens avec un bel dossier. Je viens là, je me présente. Et je prends la police là comme, premièrement, et sécurité rapprochée du président Prival. Et ensuite, commissaire et Wanamek. Wanamek. Après, je viens d'Elma et je viens au Cap. Donc, c'est ça. Et qui dit moins, donc comme commissaire Delma, parfois, président Aristide dit tabac, et tabac te dépend de moi, à l'époque. À l'époque. Si ancien président a besoin, je vais le service. T'as vu, si j'ai un problème là, quand il est dans la zone, il relève, je ne vois pas trop. C'est sauf relation ça que je gagne avec le président Jean-Bertrand Aristide. Qui ça peut mettre nous dos à dos? Premièrement, et premier bagage qui a fait commencer à douter du président Jean-Bertrand Aristide, c'est côté le fait université. Quand il fait l'université, c'est ton terrain que tu as en pile là-dedans. Mais tu es un petit côté dans le temps que tu es bon paysan. Tabac. Moi, tu es commissaire d'Elma. Je suis là parce que tu as fait avantage. Tu ne sais pas où? Je suis fait avantage. Le mouivé. Le mouivé dans l'avantage là. Nègre ça qui met le terrain dans le temps, tout petit. Il va te mettre un bon sabassa. Président Aristide offre tout comme. Il te voyait. Tout le monde connaît cousin Anthony Nazaire. Oui. Mais bah non, c'est comme ça. Oui. Pour la vérité, comme on dit, oui, oui, oui. On ne pas critiquer aucun. Non, 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 non. On fait l'histoire. Paysan dit le pape Vander. Parce que tu as un bagage affectif avec toi, parce que c'est le président Tancred Auguste qui te baille. Grand-père, l'on va comme ça, le pape Vander. Pendant discussion, monsieur Pavli, avantage de la fête, il balle dans le pied. Et je me dis trois policiers avec, parce que je connais la balle en guerre, je connais son avantage. Je me dis trois policiers pour faire avantage pour l'ancien président. Il y a une sécurité présidentielle, USP, qui était là, bas mission balle dans le pied. Moi-même, comme commissaire, je me dis, ah, monsieur, entraînez là, amenez l'hôpital. Policier, ça, USP, ça a dit, non, monsieur, après, là, la saint, la mourir. Non, pied, le balle là. Monsieur, était le blessé, le mourir. Depuis le ça, moi, je me dis, je n'ai aucun rapport avec un nègre qui, tout côté, a dit, mes peuples, tout côté la dit c'est affaire peuple et défendre et puis pour on paysan mourir dans l'Italie là Haïti débat depuis le samedi ah m'a prend distance moi deuxième bagarre qui va le bon problème encore sur question l'armée rouge
T'es un policier qui était Marie-Christine Jeune, qu'on connaît que tu refusé, bah, on sait que le bandit l'a mis, et qu'il a assassiné sous ta balle. Après, on a fini de violer. Et ensuite, nous avons bras droit, moi, inspecteur Basile Bertoni, petit point. Et la police a dit, monsieur, petit point, monsieur, pour bravo. Parce que je dis à Haïtien qui a pensé que l'armée où j'ai été un jouet. Mais nous-mêmes qui avons l'âge où l'armée où j'ai pas été un jouet. Plus de 20 policiers mourir en bas de la mer rouge. Scoop! Le la police d'Elma décidé, la fini avec Baïsa, elle m'a fait rentrer d'Elma, sous trois namètres, m'a décidé que m'a fini avec elle. Le n'a fini avec elle, il m'a dit que moi, ma Bertoni, après tirer dans derrière, il a montré. Moi, elle est Bertoni. Je dis Bertoni, moi, je suis sécurité. Je suis qui malade pour sécurité. D'ailleurs, toute sécurité m'a là. Oui, oui. Je suis qui malade pour sécurité et même pas joué avec sécurité. Je dis Bertoni, on va en sécurité parti. Ou pas pour camper là en Haïti. Et information que nous gagnons, il y a tuyau. Je dis, ah non, je ne vais pas prendre balle comme non, parce que moi, monsieur nous fait des matchs, monsieur, je viens un visa américain. Je dis, comment on va mettre un visa américain, on ne pas partir. Je dis, bientôt, nous ne pouvons pas payer et ticket à vous. Je dis, non, comment dans ce pays, je vais vivre là-dedans. Mon inspecteur. Mon cher monsieur Ali Akin, non, diable. Je ne suis pas capable de prendre balle, il est méchant. L'aile tourne sur le gars, il est piqué tête. Il est tué. C'est deuxième bagage qui font clic dans le truc pour me dire que je ne vais pas jouer. Et dernier bagage qui crase là, c'est l'incident privé avec le commissaire No. Sous Delma, l'inscription, je vais être arrêté comme candidat à la présidence. Devant CEP. Côté Ronald Cadavre, plein caoutchouc, il mettait gazoline dans la gueule, dans la tête commissaire, dans la tête de sécurité. Avec dit trois caoutchoucs, dans la tête de sécurité commissaire, plus une dans la tête commissaire. Et là, ça a fini. Moi-même, Guy Philippe, qui est commandant, et au Cap. À qui nous décommandons Delma, nous disons au Cap, nous courons rentrer. Et nous disons qu'il faut le président Préval, parce qu'il est là-dedans. Nous allons, le président Préval dit non, ça c'est le président Aristide pour nous, parce qu'il nous dit qu'il faut que nous arrêtions dans le cadavre. Le président Préval dit la prélève, le président Aristide, pour le dire ça, bagarre, il est même bien à la bonne décision. L'un arrivé d'abord, il dit non, on est dans le cadavre, mais mon second libre fait dans la prison. Alors là, ça, oui, il me déraille. Et il me déraille, il me dit bon, j'aimerais pas aller là, on ne va pas quitter Haïti, tomber dans la salle. C'est vrai que moi, révolté, son policier, je ne pas de révolter, je ne pas de rébeller, selon, j'ai pensé là, mais comme citoyen, comme monde, je ne vais pas accepter des autres en fait. Donc, je rébelle, je suis obligé de partir, je quitte le pays. Moi, en même, je tourne, je tiens ton rébellion et je freine des rives là. Et c'est ça que je fais. D'accord. Donc, Gary, moi, je suis consalé, donc ce n'est pas un problème personnel. Oui, oui. Haïti était dans une mauvaise situation. C'est une transition. Je fais deux voix comme citoyen. Et je dis à m'vin là pour continuer à faire devoir pour moi. Moi, j'ai essayé de faire contact là avec Metanel Rémy. Metanel, c'est avocat qui défend les amis. Il a été arrêté dans le moment où M. Tapralé dans le programme Biden. Non? Et selon sa Metanel, signalé nous jusqu'à présent, il a pas qu'on libérer monsieur. Maître Rémy, comment vous êtes? Bonsoir, Tété. Bonsoir, tout auditeur d'étrice émission, hein, belle émission ça, Tikouzak Tété. Permettez-moi de saluer le PIA, de saluer tout avocat dans le niveau cadeau, et avocat cabinet d'avocatus, ingénieur Glimou, de saluer Dubaï Zanminou, de saluer Caleb, tout le PIA, capitaine de nous, madame Jasmine Simon. C'est un plaisir de l'avoir parmi vous, de saluer la famille, Vladimir. Capitaine de la madame ni surtout, vous savez tout nous avons géré. Son plaisir pour m'aider. Qui s'est passé? Au contraire, tu as le Agonzami signalé. Moi-même, pas de temps de mon yon encore. À mon avis, moi, pensais monsieur était libéré. Et selon ça, yon proche qui rapporte là, jusqu'à présent, monsieur pas libéré et il était supposé rentrer par au prince. Et il y a une démarche qui a fait pour rentrer par au prince avec, mais il y a toujours qu'un bel dans la prison. Qui s'est barré directement? Très bien. Depuis le famille qui vient constituer comme avocat pour défendre Vladimir Joseph, même côté, nous avons rentré en contact avec le commissaire gouvernement au Cap-là, Maître Charles-Édouard Durand, bien salué. Maître Charles-Édouard Durand est rentré en contact avec SDBJ au Cap et a mené une enquête de proximité qui a menée parce que la police a fait erreur. Dans la question d'arrestation parce que tu es confondu pour l'autre monde. Yeah. Donc, la police est venue expliquer le tir, vient dire que tu es trompé de monde. Donc, ce que nous-mêmes, comme avocats, défendre doit nous dénoncer parce que et nul ne peut profiter de ses propres erreurs. C'est-à-dire, si vous venez arrêter le monde et que vous faites erreur,
son manque de professionnalisme, donc faut mon nom pas joindre justice pour. Mais malheureusement, le commissaire gouvernement au Cap-là a dit que SDPJ a mené une enquête. Mais d'après ça, que ça c'est information que j'ai, d'après ça qui arrive à joindre, d'après information que j'ai joindre, dans le niveau au Cap, dans le niveau et ça vient, etc. Donc, personne ne va reconnaître monsieur. Il a dit que vous avez trompé au deux mondes. C'est ça répété. C'est ça information que j'ai au Cap la dit. Il a trompé au deux mondes. Il n'a pas compris Vladimir Joseph ça, il n'a pas arrêté dans la zone. Donc, la police, la SDPJ du Cap s'est trompé de personne. Maintenant, qu'est-ce que ça me fait comme avocat? Même côté, je fais une première conférence de presse pour me dénoncer l'arrestation, parce que même toujours parler de prison pour d'innocence, etc. Et puis, même côté, je fais une conférence de presse pour me dénoncer ça. Et puis, même côté, je rentre en contact avec le directeur général de la police, là, qui était parlé ensemble avec moi. Alors, ça qui est assez particulier dans le dossier ADT, c'est que la DCPJ qui est à niveau Port-au-Prince, Kembe monsieur parce que yo ta soi-disant gain information que monsieur fait partie de gang Wav Jérémy. Voilà les informations qui m'ont été qui avec qui yo partage avec moi. Donc jusqu'à présent Vladimir Joseph nan prison au Cap nan niveau Cap haïtien. Monsieur Souye Kramna, alors pour moun qui peut-être pas te connaît dossier ça. Pendant parlé là, ses amis ça n'a pas gardé sur écran Tikozak TT sur YouTube et Facebook. Monsieur était supposé voyager, gros ami qui appliquait pour lui et était voué tout document pour moi. Et d'ailleurs, il fait même temps des voice côté monsieur a planifié amis qui a dit mon chemin pas gain cob, c'est collecter pour te voyer un petit cob pour monsieur capable t'y aller. Monsieur Sonnet qui gagne petit business sur Wav Jérémy vraiment. Et tu dis monsieur dans bas il fait. Ça veut dire monsieur t'es passé par au Cap pour y aller. T'es gon alerte qui t'es bail sous des ce que moi-même t'ai vinn présenter nos images ça qui est-ce qui bon derrière et pour monde qui pas te connaît bon, monsieur que tout monde t'ai joué mission ça et m'te dit non. Donc information ça la police t'ai gagné li fausse parce que monsieur pas des que t'ai vendu comme nèg ça vient. OK, moi-même j'ai fait travail pas non. Vous comprenez bon jusqu'à présent depuis le ça monsieur t'ai parlé monsieur dit pas qu'on a rien et jusqu'à présent monsieur encore fermé dans prison et ça a déjà fait plusieurs jours là près d'un mois depuis dossier ça parlé. Bien sûr et non moment pas là voilà et Thériel et DCPJ a fait des marches avec SDPJ au Cap pour rentrer avec Port-au-Prince. Yeah, on connaît ça. Il a rentré avec Port-au-Prince donc il y a deux contacts qui fait là il dit le commissariat inch pas les recevoir. Parce que je pas venu prendre une responsabilité de vouer le Port-au-Prince pour qu'il soit sécurité. Donc, il peut pas attaquer blindé, il peut pas attaquer convoi. Donc, moi, pas la voilà, la Vladimir Joseph pas qu'à rentrer pour le Port-au-Prince parce que la police peut, et bandit, ou bien, il peut, il inquiet par rapport à la sécurité convoi, par rapport à la sécurité. Bon, moi, j'estime que, honnêtement, moi, j'estime que c'est pas normal. D'ailleurs, il y a une section SDPJ dans tout département. Yo. Le fait que SDPJ là, je pense que son travail qui presque semblait à DCPJ, c'est vrai que DCPJ c'est la meilleure, mais SDPJ quand même gagne des enquêteurs qui l'a dans, qui a pas fait suivi. Donc si, premier faux pas la police fait, nous arrêtons un nèg, nous présentons, nous avilil, premièrement, nous dit que c'est des nous présenter comme troisième chef gang ça vient. Moi-même personnellement, moi vinn là dans l'émission ça parce que d'ailleurs contrairement à ça, détracteur a dit moi m'a fait travail pam. Moi vinn là, moi dit pays a même moun qui dédé, même monsieur sur écran. C'est monsieur qui dédé. Monsieur Kout et monsieur Toul Mazoral Makeda. Donc c'est monsieur qui bon dédé. On reprend comparativement contrairement à ça la police t'est présenté. Même monsieur qui vrai dédé. Mais sous écran dans là c'est monsieur qui troisième chef ça vient que va parler de lui. Donc citoyen ça que moi pas connais ça me pas qu'a dit monsieur comme si saint innocent bagarre mais et si on t'arrêter le pour dédé ça vient moi même vina avec image dédé me dit nous mais bon dédé amen sous écran dans là donc nèg nous arrêter il pas rien pour avec dédé. Donc si kounia c'est parce que c'est une erreur sur la personne. Bien sûr. Donc si kounia nous tagen l'autre détail sur lui et m'ka doute parce que si nous gen détail sur monde que nous pas konn qui est lié là m'ka gen doute est-ce que nous te gen bon détail sur livre